Chers élèves, bonjour. Dobrodošli na sat francuskog jezika za osmi razred. Naša današnja tema je L'argent et nous, a ja sam Kristina Pirs, vaša učiteljica. Svojom aktivnošću na današnjem satu ostvarit ćete sljedeće odgojno-obrazovne ishode i očekivanja među predmetnih tema. Pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier ou d'une feuille de papier, d'un crayon ou d'un stylo, d'un ordinateur ou d'un portable, d'une connexion à Internet. Et vous pouvez aussi arrêter et redémarrer cette leçon à tout moment. On commence avec une première activité. Voici une tirelire. C'est une tirelire. À vaše zadatak. Décrivez cet objet, une tirelire. Quelle est sa forme? À quoi sert-elle? Prije nego što počnete zadatak, ponovit ćemo kako opisati jedan predmet. La fonction. À quoi ça, il, elle sert? Ça sert à? Ou la matière? En quoi est fait cet objet? En papier, en carton, en bois, en plastique, en fer, en métal. La forme. Quelle est la forme de cet objet? Carré, rectangulaire, ovale, rond. Et la couleur? Orange, beige, rose, rouge, blanc, blanche, vert, vert, ou toutes les couleurs. Dragi učenici, sada zaustavite ovaj video i razmislite kako biste opisali ovaj predmet. Potreban vam je pribor za pisanje. Evo prijedloga kako opis može izgledati, a sada možete usporediti svoj opis s ovim predloženim. C'est une tirelire en forme de cochon pour mettre des pièces ou des billets. Ça sert à économiser de l'argent. Elle est en plastique. Elle est verte, rouge et noire. Sljedeće aktivnosti, ukratko ćemo ponoviti kako postaviti pitanje. Kada želimo dobiti odgovor oui ili non, možemo postaviti pitanje na tri različita načina. Pogledajmo jednu izjavnu rečenicu. Tu vas à l'école? Možemo postaviti pitanje sa est-ce. Est-ce que tu vas à l'école? Oui ou non? Vas-tu à l'école? Oui ou non? Ili samo promjenom intonacije. Tu vas à l'école? Kada želimo postaviti pitanje sa est-ce, naprimjer, rečenica je tu habites en Croatie. Pitanje će biti vrlo jednostavno. Est-ce que tu habites en Croatie? Ili les élèves mangent à la cantine. Est-ce qu'ils mangent à la cantine? Jedan od načina je i zamjena mjesta glagola i subjekta u rečenici. Naprimjer, tu étudiant? Es-tu étudiant? Vous êtes au restaurant? Êtes-vous au restaurant? U sljedećem primjeru potrebno je obratiti pažnju. Il faut faire attention. Pogledajmo upitnu rečenicu. Mange-t-il au restaurant? Ubacili smo jedno dodatno slovo t. Kada? Kada je zamjenica il u el? A glagol prve grupe u sadašnjem vremenu ili budućem vremenu. Glagol nam završava na samoglasnik, zamjenica počinje sa samoglasnikom i zbog lakšeg izgovora ubacujemo t. Manštil o restoran. Pitanje možemo postaviti i upitnom riječju. Kao na primjer, u, komon,
Pourquoi? Quoi? Qui? Quand? Combien? Pitanje započnemo upitnom riječu. Pogledajmo načine kako napraviti upitnu rečenicu. Na primjer, koristeći upitnu riječ u. Où vas-tu? Où est-ce que tu vas? Ili tu vas où? U trećem slučaju upitna riječ dolazi na kraju rečenice. Aktivno za vas, dragi učenici, je pogledati sljedeći video. Video je naziva L'argent est nous, a nalazi se na sljedećoj poveznici. I zato vas molim da sada zaustavite ovaj video i u adresnu traku vašeg internetskog preglednika upišete poveznicu bit.ly argent est nous i možete pogledati video. La vidéo L'argent est nous, voilà une activité avec les questions et les réponses. Zadatak je izrađen u digitalnom alatu i možete mu pristupiti na sljedećoj poveznici bit.ly argent est nous 3. Zaustavite ovaj video i u adresnu traku vašeg internetskog preglednika upišite sljedeću adresu bit.ly argent est nous 3. Vaš je zadatak spojiti pitanja s točnim odgovorima. Argent de poche, c'est une activité de la compréhension des écrits. Ovo je aktivnost razumijevanja čitanjem. Na sljedećoj poveznici ćete pronaći tekst naziva Argent de poche. Tekst možete skenirati i vašim pametnim telefonom. Kada pristupite ovom zadatku, pročitajte tekst i odgovorite na pitanja. Međutim, prije otvorite vaše bilježnice i pogledajmo neke riječi i izraze koje će vam pomoći u razumijevanju. Otvorite vaše bilježnice i prepišite s ploče. Ne zaboravite da ovu video lekciju možete zaustaviti dok prepisujete s ploče. Donc, ouvrez vos cahiers et copiez. L'argent est nous. Prvi izraz koji ćemo zapisati je recevoir de l'argent de poche. Recevoir de l'argent de poche. Mettre de l'argent de poche de côté. Mettre de l'argent de côté. Ça signifie économiser. A sada prepišite sljedeće tri rečenice. J'ai peu d'argent. J'ai assez d'argent. J'ai trop d'argent. Donc, peu, assez et trop d'argent. Nakon toga imamo jedan pridjev, injuste. Injuste je upravo suprotno od juste. I pogledajte sljedeće slike. Repasser. Ranger ses affaires, dakle urediti ili srediti sobu, i le boucle d'oreille. Ove riječi izrazi će vam pomoći u razumijevanju teksta. Troisième activité, c'est une activité qui s'appelle un événement au collège. Prije same izrade aktivnosti, koja će biti aktivnost pisanja, pogledajmo što se događa u školi. Nous allons organiser un événement au collège pour récolter de l'argent. Avec cet argent, nous allons réaliser un projet.
Par exemple, une excursion, acheter du matériel scolaire, des livres pour la classe, une sortie culturelle, par exemple au concert, à l'exposition. A sada ćemo postaviti pitanje. A kako prikupiti novac za taj događaj? Comment récolter l'argent? Par exemple, vendre des gâteaux, des crêpes, organiser une tombola ou un loto, laver des voitures, organiser un tournoi de football, de basket, un tournoi de tennis ou de pétanque. I sada konačno vaš zadatak pisanja. Potrebno je napraviti pozivnicu, napisati pozivnicu kojom ćete pozvati roditelje, učitelje, susjede na ovaj događaj. La consigne. Evo savjeta. Il faut créer une invitation pour les professeurs de votre collège, pour vos parents, pour les gens de votre quartier qui vont participer à cet événement. Na ekranu se nalazi jedan primjer pozivnice. Donc, invitation. Dans l'invitation, il faut mettre. Što je sve potrebno upisati na pozivnicu? Un titre, date et durée de l'événement, lieu de l'événement, objectif ou but, par exemple, financer une sortie culturelle. Sada otvorite vaše bilježnice i napravite pozivnicu za vaše roditelje, učitelje, ljude koji žive u kvartu vaše škole i pozovite ih na ovaj događaj u kojem ćete pokušati prikupiti novac za jedan izlazak na koncert ili u kazalište. I na kraju naše današnje video lekcije razmislite o pozivnici koju ste upravo izradili. I evo rubrike za samovrednovanje. Razine su nam, kao i obično, bien joué, presque, ou pas encore. Shvatila sam upute zadatka. Napisao sam datum ili napisala sam datum i mjesto održavanja zamišljenog događaja. Upisala sam cilj organizacije zamišljenog događaja, zašto uopće u školi organiziram ovaj događaj i grafički sam oblikovao ili oblikovala pozivnicu. Merci, chers élèves, et à bientôt.